I speak English, but with a very bad Mediterranean accent, and this speech is very technical, so I prefer to do it in French, if you don't mind. And after, I can try to answer your questions in English. Donc, Monsieur le Président, puisque vous présidez cette réunion, je constate que vous êtes extrêmement bien renseigné sur moi, puisque vous êtes remonté effectivement à mes origines politiques, puisque j'ai commencé au PSU avec Michel Rocard. J'ai toujours été dans cette ligne depuis l'origine. Donc nous allons parler du rôle des parlements nationaux au niveau de l'Union européenne, avec un éclairage tout particulier dans la période actuelle, c'est la mise en œuvre des dispositions du traité de stabilité budgétaire, et en particulier son article 13 qui prévoit une conférence. Alors, vous savez que ce traité, il a été signé par 25 pays sur 27, qu'il y a deux pays qui ne l'ont pas signé, dont votre voisin, United Kingdom. Et que dans les 25 pays qui ont signé, bon, ils sont pratiquement tous en train de le ratifier, il y en a 17 qui sont dans la zone euro. Donc, ça explique aussi la problématique du contrôle parlementaire un peu difficile avec le Parlement européen qui lui représente les 27 États. Mais on y reviendra. Et avant d'y revenir, je vais faire un petit panorama de l'état des lieux, en sachant que je vais dire des choses que peut-être certains d'entre vous connaissent, donc ils me pardonneront, mais je pense qu'il faut bien situer les choses et puis après se lancer dans des perspectives qui seront plus d'avenir. Donc, je prends mon texte, mais j'en sortirai quand même de temps en temps, mais c'est bien d'avoir un fil conducteur, sinon des fois on s'égare et puis on oublie des choses essentielles. Ça va, vous me comprenez, parce qu'en plus j'ai un accent du sud de la France, comme elle a dit. Je suis né à Sète, au bord de la Méditerranée, et je suis élu d'un département, le Gard, qui borde aussi la Méditerranée, donc j'ai gardé cet accent. Qui en fait, c'est pour ça que je suis toujours sensible au fait d'être en Irlande, c'est que cet accent en fait n'est que la mélodie de la langue occitane, qui était notre langue d'origine et qui quasiment morte aujourd'hui. Il nous en reste que l'accent et la musicalité. Donc, vous ferez des parallèles si vous le souhaitez. Mais moi, je ne. Voilà. Oui, mais dans le Midi, c'est les Parisiens qui ont l'accent. Absolument. Absolument. Donc, les critiques sur le déficit démocratique de la construction européenne sont très anciennes et ressurgissent régulièrement. Les institutions européennes sont souvent perçues par les citoyens comme lointaines, difficilement compréhensibles, hors de contrôle, et surtout elles sont accusées de produire des réglementations toujours plus lourdes et difficiles à respecter. Ces critiques sont parfois injustes. Il n'est pas rare que les administrations nationales aient leur part de responsabilité dans la complexité des réglementations, et c'est d'ailleurs souvent le cas. Mais le sentiment d'un déficit démocratique est bien réel chez nos concitoyens. Comment combler ce fossé? Comment rendre la construction européenne plus proche des citoyens? Pendant longtemps, la réponse a été cherchée essentiellement dans le développement des pouvoirs du Parlement européen. Avant son élection au suffrage universel direct, le Parlement européen avait deux principaux pouvoirs. Il avait à l'origine le pouvoir de censurer la Commission européenne à la majorité des deux tiers, et depuis 1975, il avait le dernier mot sur les dépenses non obligatoires du budget de l'Union. Mais en matière législative, son rôle demeurait consultatif. Cette situation a commencé à évoluer à partir de l'acte unique européen en 1987. Le Parlement européen a reçu un droit de veto sur les adhésions de nouveaux États et sur les accords d'association. La procédure législative a été aménagée pour donner un plus grand rôle au Parlement européen, même si le dernier mot restait au Conseil. Le traité de Maastricht a été une étape importante en 1992,
il est allé beaucoup plus loin en créant la procédure de codécision qui place le Parlement à égalité avec le Conseil en matière législative, même si cette égalité est parfois un peu théorique. Et même si au départ, cette procédure ne s'appliquait qu'à des domaines relativement limités. J'en donnerai un peu plus loin une illustration. Les pouvoirs de contrôle du Parlement ont été également élargis. La Commission, désormais renouvelée après chaque élection européenne, doit recevoir l'investiture du Parlement européen. De plus, celui-ci a désormais le droit de constituer des commissions d'enquête. Le traité d'Amsterdam, en 1997, a poursuivi cette évolution. La procédure de codécision a été étendue à de nombreux domaines et le contrôle politique du Parlement sur la Commission a été renforcé par un mécanisme de double investiture. Le Parlement investit d'abord le président de la Commission, puis la Commission en tant que collège, après audition de chacun des membres désignés. Et vous savez que des fois, ça se passe mal avec certains. Le background est d'ailleurs souvent regardé à la loupe un peu ce que vous avez fait pour moi. Et parfois, il y a des choses qui ne plaisent pas aux parlementaires européens. Enfin, le Parlement a reçu un instrument d'influence en matière de politique étrangère et de sécurité commune, ce qu'on appelle la PESC, puisque les dépenses de cette politique ont été mises à la charge du budget communautaire, sauf décision contraire du Conseil statuant à l'unanimité. Le traité de Nice, qu'on a souvent appelé le Nice Treaty, un jeu de mots, a prolongé ce mouvement en étendant la procédure de codécision à de nouvelles matières. Par ailleurs, ce texte a permis au Parlement de saisir la Cour de justice au même titre qu'un État membre. Enfin, le traité de Lisbonne, donc le dernier en 2009, a parachevé cette évolution. Il a encore accru le pouvoir législatif du Parlement en généralisant, sous réserve d'exception, mais en nombre qui sont quand même très très limités, la procédure de codécision qui s'applique désormais, par exemple, en matière de justice et d'affaires intérieures, de politique commerciale commune, de législation agricole. Ces pouvoirs budgétaires ont été également renforcés avec la suppression de la notion de dépenses obligatoires. Cette part du budget, c'est essentiellement les dépenses agricoles, ne pouvait pratiquement pas jusqu'alors être amendée par le Parlement. Le Conseil et le Parlement sont désormais placés sur un pied d'égalité dans la procédure budgétaire et le Parlement dispose même de pouvoirs supérieurs au moment de la décision finale, puisque si un accord est intervenu au sein du comité de conciliation entre les représentants du Parlement et ceux du Conseil, mais que ces derniers rejettent cet accord, le Parlement peut statuer définitivement en reprenant tout ou partie des amendements qu'il avait adoptés en première lecture. Et alors on est en plein dans cette phase actuellement, puisqu'on est en train de s'élaborer au niveau de l'Union européenne le budget pour la période 2014-2020. Il doit y avoir d'ailleurs un Conseil européen les 7 et 8 février prochains qui doit trancher normalement de manière définitive en la matière. Donc c'est une matière très vivante actuellement. C'est tout à fait d'actualité, cette illustration. Au terme de cette évolution, on peut dire qu'aujourd'hui, le Parlement européen dispose de pouvoirs très étendus, supérieurs même à ceux qu'ont généralement les parlements dans nos démocraties nationales. Car le Parlement européen, pour sa part, ne peut pas être dissous. Et il n'est pas lié par le soutien à un gouvernement qui imposerait une discipline majoritaire. Le Parlement européen exerce de manière autonome les pouvoirs dont il dispose. Alors, est-ce que pour autant, désormais, le problème du déficit démocratique européen est-il résolu? Vous imaginez la réponse que je vais vous donner, et je vais la faire en deux temps. D'abord, je voudrais dire que le développement des pouvoirs du Parlement européen était très positif. Donc, membre d'un Parlement national, je l'affirme, souvent on nous oppose alors qu'on devrait avoir des rôles complémentaires. On a des rôles complémentaires. Aujourd'hui, le Parlement européen a un grand poids, et cela donne un meilleur équilibre à l'Union, et de mon point de vue, l'influence du Parlement européen va très souvent dans le bon sens. Je voudrais rapporter une anecdote personnelle, voilà, cette illustration. Donc je suis élu, comme l'a souligné notre président de séance, d'une région viticole, d'une région où depuis des millénaires, le paysage s'est structuré autour de la vigne. C'est au-delà du
d'une production, c'est même une culture, à mon sens. Et je suis donc amené de suivre de près tout ce qui touche à la production du vin. Ce qui ne m'empêche pas, bien évidemment, d'apprécier, j'ai déjà commencé à le faire, la bière irlandaise, je le précise, et aussi le whisky. Je crois que je suis enregistré, il faut pas que je... faut que je fasse quand même attention à ce que je dis. Alors, lors de la réforme du secteur vitivinicole, la réforme de l'OMC au niveau européen en 2007-2008, j'avais été chargé par le Sénat de ce dossier. Et donc j'avais notamment été à Bruxelles, rencontré la commissaire européenne de l'époque qui suivait les questions agricoles, qui était Madame Fischer-Boll, et son directeur général, Monsieur De Marti, qui est un Français. Et c'est quelqu'un avec qui j'étais très en phase, puisqu'il avait travaillé avec Jacques Delors. Mais j'avais été un peu surpris, parce que j'avais déjeuné avec M. De Marti et je lui dis voilà, je vais prendre rendez-vous avec la députée grecque européenne qui est rapporteure de cette question de l'OMC vitivinicole pour avoir le sentiment du Parlement européen. Et il m'a répondu avec un petit sourire, vous savez, monsieur le sénateur, sur cette question, le Parlement européen, c'est un simple avis. Et ça m'avait fait un choc quand même, et là j'ai eu l'illustration de ce pourquoi nos concitoyens souvent considèrent qu'il y a un déficit démocratique au sein de nos pays. Alors ça, c'était avant le traité de Lisbonne. Moi, j'ai beaucoup soutenu le traité de Lisbonne. Je l'ai même soutenu dans un département qui a voté non à 65% à ce traité. Mais bon, j'ai été réélu quand même après. Donc. Ils m'en ont pas voulu parce que ils savent que j'avais pas forcément leur point de vue, mais que j'étais sincère dans mes idées. Et donc ce traité de Lisbonne, on s'aperçoit tous les jours des immenses progrès qu'il a apportés. J'aurai une autre illustration un peu ultérieurement. Mais là, par exemple, en matière d'agriculture, ce qui est quand même un gros morceau au niveau du budget de l'Union, désormais, depuis le traité de Lisbonne, il y a la codécision entre le Conseil et le Parlement européen. Ce qui n'était pas le cas juste avant, quand j'avais fait mon rapport sur la réforme de l'OMC vitivinicole. Voilà. Alors, au Conseil européen, il y a toujours le risque que les intérêts nationaux, voire la politique nationale, pèsent trop lourd. À la Commission européenne, il y a toujours le risque d'une approche trop technocratique. Et le Parlement européen peut faire prévaloir une dimension politique proprement européenne. Et il constitue, à mon avis, un contrepoids indispensable. Cependant, il faut le reconnaître, le sentiment d'un déficit démocratique n'a pas disparu. Le sondage régulièrement organisé par l'Eurobaromètre suggère même que ce sentiment a tendance à s'accroître. La confiance dans les institutions européennes est aujourd'hui à un niveau historiquement faible. Seulement un tiers des personnes sondées. L'augmentation des pouvoirs du Parlement européen s'est d'ailleurs paradoxalement accompagnée d'un désintérêt croissant pour son élection. La participation des électeurs à ce scrutin n'a cessé de décliner en 30 ans, passant de 63 à 43% de votants. Un autre signe de désaffectation a été le succès du non lors des référendums organisés dans certains pays sur le traité constitutionnel ou sur le traité de Lisbonne. Quand j'ai dit 65% non, je parlais du traité constitutionnel. L'aspect le plus marquant de ces traités était l'accroissement des pouvoirs du Parlement européen. Donc, logiquement, mais en fait, nos concitoyens, ils n'ont pas voté sur le contenu. Ils ont voté sur leur sentiment à l'égard de l'Europe. Moi, j'étais dans un bistrot avec un citoyen français typique tel que vous pouvez les voir ici avec la baguette sous le bras et qui disait...
Avec leurs euros, ils vont voir le nom avec leurs euros. Et joignaient le geste à la parole. Bon, c'était un peu caricatural, mais c'est un sentiment de nos populations dont il faut tenir compte. Il faut donc admettre que la montée en puissance du Parlement européen n'a pas suffi à rapprocher les institutions européennes des citoyens, alors que ses pouvoirs sont maintenant très importants. Comment expliquer cette situation étonnante ? On peut remarquer que le parlementarisme européen répond assez mal à certains des canons de la démocratie représentative. Celle-ci suppose tout d'abord l'existence et l'expression d'une opinion publique vis-à-vis de laquelle les responsables politiques sont amenés à se situer. Or, même si des mouvements d'opinion en Europe dépassent les frontières nationales, on ne peut pas encore parler d'opinion publique européenne ou d'espace public européen. Bien au contraire, les élections européennes donnent lieu à autant de débats qu'il y a d'États membres. Et c'est d'ailleurs principalement en termes de succès ou de désaveu du gouvernement national qu'elles sont interprétées sur le plan politique. Autrement dit, le cadre de référence commun qui donnerait sens aux élections européennes ne s'est pas encore véritablement formé. Ensuite et surtout, le ressort de la démocratie représentative est la possibilité d'une sanction électorale. Or, cette possibilité demeure une hypothèse abstraite dans le système européen, qui ne connaît à proprement parler ni majorité ni opposition dans aucune des institutions et qui fonctionne essentiellement par compromis. En réalité, le système européen ne permet pas véritablement une responsabilité politique des élus devant les électeurs. C'est sans doute une phase transitoire. Mais bon, le plus caricatural, c'est que le président du Parlement européen, il est pour moitié du mandat socialiste et pour l'autre moitié du mandat membre du Parti populaire européen. Et puis voilà, c'est... Mais peut-être que pour les prochaines élections européennes, on peut imaginer autre chose. Il ne faut pas nécessairement voir dans cette situation un défaut irrémédiable de la construction européenne. En effet, celle-ci est une entreprise de longue haleine. Au stade d'intégration où nous en sommes, l'Europe progresse en trouvant des compromis qui permettent un large consensus. La situation n'est pas mûre pour qu'elle fonctionne selon un schéma de type majorité-opposition. L'Europe demeure une fédération d'États, mais elle n'est pas un État fédéral. L'Union n'a pas la compétence de la compétence. Elle n'exerce que les compétences qui lui sont attribuées par des traités conclus entre États souverains, même si ces États exercent en commun une partie importante de leur souveraineté dans le cadre de ces traités. Pour l'application de ces décisions, l'Union est tributaire des États membres. Elle n'a ni les moyens administratifs et financiers, ni les instruments de coercition, police et justice, qui sont ceux d'un État. L'Union en tant que telle n'a pas d'armée, et ses États membres conservent leur personnalité internationale. Je ne vais pas parler de l'actualité qui, nous Français, nous préoccupe beaucoup et pour laquelle on a le sentiment qu'au niveau européen, ça ne suit pas forcément. Même si tout le monde a des mots sympathiques pour nous partout où nous allons. La citoyenneté européenne, selon les traités eux-mêmes, complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. La construction européenne demeure donc une réalité financièrement originale. On ne peut pas plaquer sur elle des schémas conçus pour des pays fédéraux, comme l'Allemagne ou les États-Unis. Il y a un peuple allemand, il y a un peuple américain. On ne peut pas parler aujourd'hui d'un peuple européen. Pour que la construction européenne soit suffisamment légitime, il faut donc élargir sa base démocratique. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solution que de s'appuyer davantage sur les vies démocratiques nationales et donc d'associer plus étroitement les parlements nationaux. Donc là, je suis dans ma transition du Parlement européen vers les parlements nationaux. Parce que quand mon sujet, c'est le rôle des parlements dans l'Union européenne, mais j'y inclus le Parlement européen. C'est un Parlement, le Parlement européen et les parlements nationaux. Tout le monde a intérêt à cette évolution. La construction européenne peut y trouver une assise plus large, une légitimité plus forte. Et les débats politiques nationaux peuvent eux aussi y gagner en qualité et en pertinence. Alors que la construction européenne imprègne les vies nationales, elle garde souvent une place réduite, voire marginale, dans le débat politique national. En particulier dans mon pays, en France, les députés européens, quand ils sont députés européens, ils n'ont qu'une envie, c'est de redevenir rapidement députés nationaux. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Et c'est la force d'ailleurs de certains pays d'avoir des députés européens.
crois que vous avez reçu la semaine dernière mon ami Pierre Moscovici, qui a été meilleur que moi puisqu'il a, il a parlé en anglais. Eh bien, il a été député européen, mais dès qu'il a pu, c'est un ami, hein, je le dis librement, dès qu'il a pu, il est redevenu député national. Maintenant, il est au gouvernement. Ce décalage nuit à la crédibilité des débats politiques. Lorsqu'il y a une élection nationale, donc en France, moi je parle de ce que je connais le mieux, mais vous me direz peut-être si c'est le cas ici aussi en Irlande, la campagne électorale se déroule presque comme si l'Europe n'existait pas. Une fois l'élection passée, alors ça c'est un peu aussi très français, hein, parce que je crois que quand on pense que tout se décide en France, moi je vais vous donner un exemple, je suis des fois très critique vis-à-vis de mes collègues. Je faisais vous savez qu'il y a un grand débat qui concerne l'Irlande d'ailleurs, puisque l'Irlande est le siège de Facebook. Il y a une proposition de la Commission sur la protection des données personnelles. C'est Mme Reding, la commissaire européenne, qui impulse ce dossier. Et j'avais été l'auteur, parce que je suis membre et président de la Commission des affaires européennes, mais je suis aussi membre de ce qu'on appelle au Sénat français la Commission des lois. Et donc j'étais l'auteur d'une proposition de résolution sur cette protection des données personnelles, parce que nous considérons que nous avons un système qui n'est pas mauvais en France et on ne voudrait pas qu'il s'affadisse. Et puis on s'inquiète un peu pour vous parce que votre CNIL, qui serait amené à contrôler tout ce qui concerne les données personnelles, pourquoi ? Parce que Facebook a son siège en Irlande. Bon, vous êtes un pays de 4,5 millions d'habitants, donc vous avez une CNIL correspondante. Et puis si vous avez plusieurs centaines de millions de citoyens européens qui déferlent sur votre pauvre CNIL, voilà. Et puis c'est peut-être éloigné des citoyens, enfin il y a tout un débat. Et donc je défendais ma proposition de résolution et j'expliquais à mes collègues que cette proposition de résolution s'adressait à notre gouvernement pour qu'il défende certaines positions dans le débat européen et aussi sous forme d'avis politique à la Commission. Mais non, ils déposaient tous des amendements en modifiant le texte et en pensant que si jamais leurs amendements étaient adoptés par le Sénat français, ils devenaient la règle générale de l'Europe. Voilà. Donc ça, c'est un peu nous. Alors je leur expliquais que ça, c'est que l'Europe, c'est 27 pays qui sont à égalité de droits et de devoirs, etc. Mais bon, voilà, on a un peu des fois, nous, ce sentiment. Moi, je ne vais pas plus loin parce que je suis sous le contrôle de magnétophone. Donc, une fois l'élection passée, on prend des décisions qui ne sont pas toujours conformes aux promesses, mais ça, c'est pas valable qu'en matière d'Europe, en expliquant, et là, c'est européen, qu'il s'agit de remplir des obligations européennes. Là, c'est pas possible parce que c'est l'Europe. L'Europe sert trop souvent d'alibi. Beaucoup de gouvernements aujourd'hui justifient des mesures de rigueur budgétaire en évoquant les contraintes européennes, alors qu'il s'agit de mesures rendues inévitables par l'héritage des années où l'on a cédé à la facilité. Et que ce soit de droite ou de gauche d'ailleurs, hein, c'est la même chose, en tout cas en France. Il est donc nécessaire que les vies politiques nationales intègrent plus et mieux la dimension européenne. Et cela concerne en premier lieu les parlements nationaux. Ils doivent mieux prendre en compte la construction européenne, y compris pour mieux remplir leur rôle à l'échelon national. Comment associer les parlements nationaux ? Je ne vais pas être trop long. À vrai dire, les parlements nationaux ont toujours été associés à la construction européenne. Chaque fois que les traités mentionnent qu'un acte européen doit être adopté ou ratifié par les États membres, entre guillemets, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Cela signifie qu'une approbation par chaque Parlement national est requise, sauf dans le cas où un référendum national vient se substituer à cette approbation parlementaire. C'est toujours la souveraineté nationale populaire qui s'exprime de manière directe ou par ses représentants. Ainsi, les Parlements nationaux ont toujours été les législateurs de base de l'Union, intervenant pour les actes les plus fondamentaux,
révision des traités, adhésion de nouveaux membres, détermination des règles relatives aux ressources propres du budget de l'Union, décision éventuelle de mettre en place une défense commune. De même, lorsque les traités disposent que les directives européennes lient, je cite, « tout État membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. » Tout est dit. L'instance nationale en cause est dans la plupart des cas le Parlement national. Ainsi, les parlements nationaux ont toujours été à la fois à la base et à l'extrémité de la chaîne législative de l'Union. Mais nous, en France, on est assez mauvais élèves, notamment dans la transposition des directives. Quand on transpose une directive en droit national, c'est souvent l'heure de vérité. Et ça fait parfois assez mal. Par ailleurs, à côté de ce rôle législatif, les parlements nationaux ont toujours une fonction de contrôle de la politique européenne menée par leurs gouvernements respectifs. En France, ce rôle fait depuis 20 ans l'objet d'un article spécifique de la Constitution, l'article 88.4. Notre système de contrôle parlementaire de la politique européenne est assez proche de ce qui existe au Royaume-Uni. Chez nous, il n'y a pas de mandat donné au gouvernement, comme c'est le cas dans les pays nordiques. On a un mandat impératif au Danemark, par exemple. Le gouvernement n'est pas juridiquement lié par les prises d'opposition des deux assemblées, mais sur le plan politique, il se doit d'en tenir compte. Et le contrôle des assemblées introduit plus de transparence dans la définition de la politique européenne. Mais le rôle législatif et de contrôle que je viens d'évoquer s'exerce à l'échelon national. On ne peut en rester là, ce n'est pas en restant cantonné chacun dans son pays que les parlements nationaux peuvent bien comprendre les questions européennes et bien contrôler des gouvernements qui, quant à eux, travaillent ensemble. L'association des parlements nationaux doit donc se faire aussi à l'échelon européen. Ils doivent pouvoir participer collectivement à la vie de l'Union. Cette idée a mis du temps à s'imposer, notamment parce que le Parlement européen y voyait une forme de concurrence, à tort à mon avis, car il y a complémentarité, non pas concurrence. Mais la coopération interparlementaire dans l'Union est une réalité déjà ancienne. Alors, je voulais le dire au début, je l'ai oublié, mais c'est une évidence, moi je m'exprime ici devant vous. Pourquoi ? Parce que pour les 6 mois à venir, Dublin et l'Irlande vont être le centre de la politique européenne. Et que donc un certain nombre de réunions européennes vont s'y tenir. Notre ambassadrice va avoir beaucoup de travail, elle va avoir beaucoup de visites. Ça a commencé. Et à mon avis, ça va beaucoup s'accentuer. Et notamment au niveau des ministres, mais aussi au niveau parlementaire. Moi, je suis ici à l'occasion d'une réunion, qui est une réunion institutionnelle. Chaque fois qu'un pays préside l'Union européenne, il y a une réunion des présidents des commissions des affaires européennes des 27 pays. Donc nous avons cette réunion à partir de dimanche et lundi. Et une réunion un peu plus large, où il y a 6 représentants par Parlement national, et cette réunion aura lieu à Dublin à la fin du mois de juin. Et c'est donc le Parlement irlandais qui nous reçoit, et tout particulièrement notre collègue, le président de la Commission des affaires européennes du Parlement irlandais. Alors depuis 1981, il y a une conférence des présidents de Parlement de l'Union qui tiennent des réunions régulières. Certes, cette conférence a toujours été confrontée à une difficulté tenant aux prérogatives différentes des présidents de Parlement. Donc certains considèrent qu'ils ne sont pas habilités à prendre des positions, à participer à des décisions. Mais ces limites n'ont pas empêché certaines réalisations. Ainsi, en 1989, donc vous voyez maintenant, ça fait plus de 24 ans, bientôt 24 ans, la conférence des présidents de Parlement est parvenue à décider la création de la conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires, ce qu'on appelle la COSAC, ce dont je viens de vous parler, la réunion des commissions des affaires européennes, qui apparaît aujourd'hui comme un instrument particulièrement important de coopération interparlementaire. Depuis 1989, la COSAC est composée, donc je vous l'ai dit, de 6 représentants de chaque Parlement national, et de 6 représentants du Parlement européen. Alors aussi, il y a eu un débat parce que le Parlement européen, il voulait représenter la moitié et que les parlements nationaux représentent l'autre moitié. Mais ils sont 6. Et nous sommes 27 que multiplie 6. En fait, moins parce que tous les pays ne sont pas bicaméraux, n'ont pas de Sénat.
Donc il faut pondérer. Et je ne sais même pas si le Sénat irlandais participe à ces réunions, je ne suis pas sûr. Non, je n'en suis pas sûr. Mais bon, je le vérifierai ce week-end. Donc je vous l'ai expliqué, chaque semestre dans le pays exerçant la présidence de l'Union. En 1997, son existence et son rôle ont été officialisés par le traité d'Amsterdam. Et grâce notamment à l'action persévérante du Parlement danois, la COSAC s'est dotée en 2003 des moyens d'une activité plus efficace avec une réforme de son règlement permettant de prendre des positions à la majorité qualifiée et mettant en place un secrétariat permanent. La COSAC permet un réel dialogue entre des représentants des parlements nationaux et les institutions de l'Union. Moi, j'y participe depuis un certain nombre d'années et c'est vraiment quelque chose de bien parce que c'est une occasion de rencontre, on prend de prises de position. Je pense que c'est très utile. De même, en 2004, la conférence des présidents des parlements de l'Union a décidé le lancement d'IPEX, Interparliamentary European Union Information Exchange, excusez-moi, dont l'objectif est d'assurer l'échange électronique d'informations liées à l'Union européenne entre les parlements de l'Union. Le site web d'IPEX est principalement constitué d'une base de données permettant de connaître l'état de l'examen d'une proposition législative européenne par les parlements nationaux, ainsi que leur prise de position éventuelle. Ainsi, chaque parlement national est informé du travail des autres. Une autre forme bien établie d'association collective des parlements nationaux est constituée par les conventions. La formule de la convention a été jusqu'ici employée à deux reprises, une première fois en 1999-2000, pour élaborer la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est très important. Une seconde fois en 2002-2003 pour préparer le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe. Elle donne aux parlements nationaux une place importante. Ainsi, la Convention sur l'avenir de l'Europe était composée d'un président et de deux vice-présidents, choisis intitulés personnés par le Conseil européen, de 28 représentants des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, de deux représentants de la Commission, de 16 représentants du Parlement européen, de 56 représentants des parlements nationaux, qui constituaient donc plus de la moitié des membres. Comme dans le cas de la COSAC, la pratique a précédé les textes, puisque la formule de la Convention n'a été officialisée que par le traité de Lisbonne. Il faut en outre rappeler que les diverses formes de coopération interparlementaire sont développées dans la pratique au quotidien. Résultat soit d'initiative du Parlement européen, soit d'initiative du Parlement de l'État membre exerçant la présidence. Certaines des commissions du Parlement européen organisent ainsi, lorsqu'elles le jugent utile, des réunions sur des sujets précis qui sont ouvertes à la participation des représentants des commissions des parlements nationaux. Des réunions communes, Parlement européen, Parlement national, sont également organisées sur initiative conjointe du Parlement européen et du Parlement de l'État membre exerçant la présidence sur des thèmes choisis d'un commun accord. À ces initiatives, il convient d'ajouter les rencontres parlementaires bilatérales ou multilatérales, ainsi que les contacts quotidiens qui se nouent dans les antennes administratives à Bruxelles des parlements. Le traité de Lisbonne a consacré cette évolution. Il précise qu'en participant à la coopération interparlementaire, les parlements nationaux, je cite, « contribuent au bon fonctionnement de l'Union ». Ça, c'est important. C'est une règle européenne, puisque c'est dans un des traités, dans le traité de Lisbonne. Mais ce mouvement se poursuit. Après de longs débats, une conférence interparlementaire spécifique a été créée en 2012 pour suivre les questions de politique étrangère de défense. Elle est proche du modèle de la COSAC, mais son objet spécialisé. Elle a tenu une première réunion, notamment pour auditionner Mme Ashton, haute représentante de l'Union pour la politique étrangère et de défense. Aujourd'hui, la discussion, je vous l'ai dit au début de mon intervention, la discussion porte sur la création d'une conférence interparlementaire sur les questions budgétaires et économiques, comme le prévoit le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, TSCG, donc c'est le fameux article 13 qui prévoit une conférence interparlementaire des commissions des parlements concernés, et donc il vient d'entrer en vigueur. C'est une question importante, car désormais les politiques économiques et budgétaires européennes sont coordonnées de plus en plus étroitement à l'échelon européen. Il est indispensable que les parlements nationaux et parlements européens, aient leur mot à dire sur cette coordination qui aura une influence de plus en plus grande sur leurs décisions budgétaires.
Cette conférence pourra également auditionner le président de l'Eurogroupe et celui de la Banque centrale européenne. Alors là, on est dans une phase où les choses sont en train de se mettre en place. Et alors, il y a un peu des débats entre le Parlement européen et les parlements nationaux, savoir quel va être... parce que dans cette conférence, c'est une conférence avec les représentants des parlements nationaux. Et donc les choses sont en train de se mettre en œuvre. Alors le Parlement européen a pris l'initiative d'une réunion sur le semestre européen à la fin du mois à Bruxelles, où donc les représentants des parlements nationaux sont invités, un peu avec l'idée de un peu chapeauter l'ensemble. Et les parlements nationaux, eux, vont décider de la manière dont ils vont appliquer cet article 13 du traité lors de la réunion des présidents de parlement de l'Union européenne, qui doit se tenir à Nicosie, à Chypre, au mois d'avril, dans la deuxième quinzaine d'avril. Mais pour préparer ce qui va se décider à Nicosie à la fin avril, il y a eu une réunion le 11 janvier dernier à Luxembourg, des présidents des parlements des 6 pays fondateurs. Donc le Benelux, l'Allemagne, la France et l'Italie, qui ont dit qu'il faut que nous, les pays fondateurs, on fasse des propositions qu'on va soumettre après à nos collègues pour avoir une base de travail. Alors au départ, cette réunion où je participais, alors je ne suis pas président du Sénat, mais le président du Sénat m'avait demandé de le représenter à cette réunion. Il ne pouvait pas y participer. Mais il y avait M. Lamert, le président du Bundestag, M. Flau, le président du Parlement, de l'Assemblée nationale belge. Il y avait le président du Parlement, la présidente, c'est une dame, du Parlement néerlandais. Enfin, j'étais un des seuls à ne pas être président. Et on a aussi une partie de la réunion très intéressante avec M. Juncker, avec qui on a déjeuné, qui n'avait pas de magnétophone, donc c'était très intéressant ce qu'on a appris à cette occasion. Et puis, le Parlement européen, enfin, parce qu'on pense qu'il faut quand même travailler de manière intelligente, le Parlement européen s'est un peu manifesté, et finalement, il a été le 7e participant à cette réunion. Et on est arrivé à un texte. Mais il faut faire des compromis. Nous avions prévu dans notre texte d'origine qu'il y aurait une sous-commission pour la zone euro. Voilà. Et le Parlement européen a fait enlever cet aspect des choses. Alors, pour avoir un accord entre les parlements des 6 pays fondateurs et le Parlement européen, on l'a accepté. Mais, bon, c'est... parce que le problème, c'est que le Parlement européen, c'est 27 pays qui ne sont... d'une part, pas tous membres de la zone euro, et pas tous signataires de ce fameux traité qu'on va appliquer. Donc, il y a quand même un problème. Et j'ajoute que je ne sais plus quel est l'intitulé exact de cette commission, si c'est la commission économique, monétaire, enfin, au Parlement européen. C'est un parlementaire britannique qui la préside. Alors vous voyez, pour l'application, bon. Donc là, on est en train de le... C'est en train de se faire. Donc la coopération interparlementaire s'est développée. Alors je vous rassure, j'arrive au bout, hein, parce que je vois notre président qui s'inquiète. Mais bon, c'est difficile quand on veut être complet, puis qu'en plus on essaie de rendre les choses vivantes par des illustrations, d'être pas assez exhaustif. Donc cette coopération interparlementaire devra être rationalisée pour gagner en visibilité et en efficacité, ce qui n'ôte rien à son utilité. Elle constitue un levier indispensable pour faire coopérer le Parlement européen et les parlements nationaux, et pour faire pénétrer la dimension européenne dans les vies politiques nationales. Ça, faire pénétrer la dimension européenne dans les vies politiques nationales, c'est à mon avis majeur. En France, en tout cas. Peut-être pas en Irlande, parce que vous avez été tellement pénétré de la dimension européenne. Mais en France, oui. Cependant, le traité de Lisbonne est allé plus loin. Pour la première fois, il accordait
un rôle aux parlements nationaux dans le fonctionnement même de l'Union. L'aspect principal de ce rôle est le contrôle de subsidiarité. Alors ça, c'est très très important. En France, ça se décline dans l'article 88.6 de la Constitution. Dans un délai de 8 semaines, à compter de la transmission d'un projet d'acte législatif, toute chambre d'un Parlement national peut adresser aux institutions de l'Union un avis motivé, exposant les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le principe de subsidiarité. Moi, je réunis tous les 15 jours, 3 semaines, un groupe subsidiarité, où il y a les représentants des différents groupes politiques du Sénat, et où on passe tous les textes à la moulinette. Et lorsqu'un tiers des parlements nationaux ont adressé un avis motivé, ce qu'on appelle le carton jaune, le projet doit être réexaminé. Pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, ce seuil est abaissé à un quart. Ce n'est pas un tiers, mais c'est un quart. Donc vous voyez, ce n'est pas beaucoup finalement. Dans le cas où un projet d'acte législatif est contesté par la majorité des parlements nationaux, donc plus de la moitié, c'est le carton orange. Si la Commission décide malgré tout de le maintenir, le Conseil et le Parlement européen doivent se prononcer sur le respect de la subsidiarité. Et si le Conseil a la majorité de 55% de ses membres, ou le Parlement a la majorité simple, donne une réponse négative, le projet est écarté. Donc là, on entre dans des rouages démocratiques. On n'est plus dans l'unanimité qui, à un moment donné, bloque les choses. De plus, après l'adoption d'un texte, la Cour de justice peut être saisie par un État membre d'un recours pour violation du principe de subsidiarité émanant d'un Parlement national ou d'une chambre de celui-ci. Alors on appelle ça le carton rouge. Carton jaune, carton orange, carton rouge. Alors moi j'ai la grande fierté d'être à l'origine du premier carton jaune. Voilà. Je suis à l'origine du premier carton jaune sur ce que l'on a appelé le Monti II. Plus précisément, il s'agissait d'un texte de la Commission européenne sur le droit de grève des travailleurs détachés. Donc, j'ai réuni ma commission. Nous avons pris position en indiquant que ce texte nous posait un certain nombre de problèmes au regard de la subsidiarité. J'ai écrit à tous mes collègues des présidents des parlements de l'Union européenne. Alors, quand c'est bicaméral, c'est une voix pour chaque chambre. Quand c'est monocaméral, c'est deux voix. C'est le pays a, hein, voilà comment ça fonctionne. Et puis on a eu plus que le tiers, puisque je ne sais pas si je l'ai noté. Et la Commission devait présenter un nouveau projet sur ce Monti II, sur ce droit de grève des travailleurs détachés. Et finalement, elle n'a pas présenté de nouveau projet, puisqu'on lui demande, notre pouvoir, c'est de lui demander de réexaminer. Mais nous avons été tellement efficaces dans cette première mise en œuvre du traité de Lisbonne sur cet aspect des choses qu'elle l'a retiré. Donc, ça, c'est très important parce que ça veut dire que les parlements nationaux, là, ont vraiment des leviers d'action qui sont considérables. On le voit donc, les parlements nationaux ne sont plus aujourd'hui les parents pauvres de la construction européenne. Beaucoup reste à faire, mais le mouvement est lancé, c'était indispensable, en effet, et ce sera ma conclusion, Monsieur le Président. La construction européenne ne peut se fonder uniquement sur une représentation des États au sein du Conseil européen et des citoyens au sein du Parlement européen, car elle est aussi, comme l'indique le préambule du traité sur l'Union européenne, je cite, « une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe ». La notion de peuple dans ses dimensions nationales et le cas échéant subnational continue et continuera sans doute longtemps à renvoyer à une réalité qu'il faut absolument prendre en compte si l'on veut donner une base démocratique solide à la construction européenne. C'est pourquoi les parlements nationaux représentants des peuples doivent jouer pleinement leur rôle dans la construction progressive d'une Europe unie. Je vous remercie. Alors, je m'excuse, j'étais peut-être un peu long. Et j'espère que tout le monde a bien, parce que vous m'exprimez en français, dans un pays dont ce n'est pas la langue, ça, je pense que ça a pu être, il a pu y avoir eu des difficultés. Pas du tout. Donc on va essayer d'y remédier avec des réponses en anglais. Voilà.